Bonjour et bienvenue à toi. Alors aujourd'hui, on continue la découverte des fruits exotiques. Je poste ça en fait tous les lundis sur la chaîne. Alors aujourd'hui, découverte de ceci. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont des physalis. Ça a été produit en Colombie. Voilà. Alors j'ai vu que ça s'appelle aussi, c'est un nom, Amour en cage. Ou même, je crois, lanterne de Chine, quelque chose comme ça. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un fruit qui est de la même famille que la tomate et l'aubergine. D'ailleurs, ça ressemble à une petite tomate. Ah ouais, c'est... Regarde comment ça à l'intérieur. C'est très très juteux. Ça fait vraiment rappeler un légume. C'est surprenant que ce soit un fruit en fait. Et bon, la vérité, sincèrement, je trouve pas ça très bon. Ouais, c'est plus parce que je m'attendais à quelque chose, à un fruit bien sucré. Et là, en fait, ouais, ça fait rappeler de la tomate, mais de la tomate amère. Alors, attends, je vais te dire le goût exactement. Ouais, c'est très surprenant. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a du sucré. Et un goût amer aussi. Ouais, il y a un arrière-goût qui est amer, qui est pas génial. Bon, en gros, c'est pas transcendant, mais c'est une belle découverte. Ce fruit est originaire des Andes. C'est bourré de vitamine C, d'oligo-éléments, de minéraux. Donc, de ce côté-là, niveau vitamine, il y a de quoi faire le plein. J'espère que cette vidéo t'a plu. Quant à moi, je te dis à bientôt. Ah oui, je continue d'en manger. C'est la preuve que c'est pas si mauvais que ça. Ouais, il y a vraiment cet arrière-goût qui est pas du tout agréable. Cependant, ça se mange. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.